There's a fire started in my heart. Real tingle fever pitch is bringing me out the door. Finally, I can see your crystal clear, yeah. Go ahead and sell me out and out of your ship bear. See how I live with every piece of you. Don't underestimate a thing that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch that's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of that they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Story to be told. I have a one of you. I'm gonna make you head burn. Think of me in the depths of your despair. Making a home down there is where my always stay. The scars of your love remind you of that they keep me thinking. Ooh. That we almost had it all. The scars of your love, they leave. I can't help feeling we could have had it all. I'm frozen in the deep. You have my heart inside your hand. And you played it to the beat. Take it to the bridge, boy. Throw your soul through every open door. Sidoine, Zaira, ils sont beaux, ils ont du talent, ils sont plus motivés que jamais. Bravo, encore, on peut encore les applaudir, encore les applaudir. Quelle performance, bravo Rachid Ferrache également. Bravo à tous les deux, franchement. Baby, franchement, je m'y crois. Alors évidemment, première réaction à chaud, c'est important. Zaira, c'était comment, voilà, de chanter comme ça, sur cet exercice? J'ai adoré ce moment et je trouve ça super qu'on puisse faire ça sur un prime. Et je remercie Rachid d'ailleurs pour cet exercice. J'ai adoré. Ça vous plaît de chanter sans musique, hein? Vous avez adoré? Ah ouais, j'ai adoré. Et vous, Sidoine, idem? Ouais, moi j'ai kiffé. Bah, c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Mais c'est de la balle. En plus, le faire avec Zaira. Ça allait tout faire, mon vieux. Pour une première, c'était vraiment très très bien. Alors, question un petit peu difficile. Voilà, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez de Zaira en demi-finale? Quelles sont ses vraies qualités? Franchement, Zaira, elle a juste une voix de ouf, une justesse de dingue. C'est une diva, quoi. Franchement. C'est au sens musical, bien sûr. C'est une adversaire de dingue. Et vous, Zaira, qu'est-ce que vous pourriez dire sur Sidoine, le talent de Sidoine? Bah, par rapport à Sidoine, évidemment, j'aime beaucoup son univers. Je trouve que c'est un bel artiste. Et ce que je voudrais souligner, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de travailler et de se remettre en question. Donc, voilà. Bravo évidemment encore à tous les deux. Alors maintenant on va découvrir vos notes. Vous le savez, même si ce sont les téléspectateurs qui au final décideront de lequel de vous deux ira en finale. On va d'abord découvrir les notes de Zaira. C'est parti.
Oh là là, 18, 18, 19, 18. Je crois que ça n'est jamais arrivé, j'en suis même sûr. C'est le premier 19 dans l'histoire de la Star Academy sur Énergie 12. Bravo, chère Zahira. Alors justement, on va commencer par Rachid. Je pouvais pas mettre une autre note que 19 parce que c'était ça frôlait la perfection. C'est-à-dire qu'elle a, elle a su mettre exactement son style en respectant justement le fait que ce soit un duo. Elle a mis exactement ce que j'attendais. C'est très compliqué. Elle s'est transformée en instrument de musique le temps d'une chanson. Vraiment bravo Zahira. Et Rachid, t'as honoré vraiment mon travail. Merci beaucoup. Il manquait quoi Rachid pour avoir le 20 sur 20? Des petits moments de justesse quelquefois, elle sait de quoi je parle. Des petits moments de justesse qui auraient pu être un peu plus précis. Mais c'est pas grand chose. 19, hein, faut le faire. Hein. Jackie Lombard, notre professionnelle. Zahira, je trouve qu'elle a une voix. Toujours dans le micro, toujours. Elle a une voix musclée et une très bonne technique. Voilà, tout est dit. Juliette, envers pomme ce soir. Une très bonne note également. Hein. Zahira, pour moi, c'est carrément, c'est pas que la technique. Justement, maintenant, Zahira, c'est vraiment l'émotion, c'est vraiment, elle est complètement incarnée, complètement investie. J'adore. Bah dis donc, avec ça, faudra juste éviter la grosse tête maintenant, parce que de compliments. Et Aspop, notre chorégraphe, que dire de Zahira? Moi, en face de moi, je vois deux gros monstres. Des monstres. Ah, des monstres sacrés. Des monstres. Oui. Et je t'ai trouvé rayonnante, Zahira. C'était très instant. Et vous, chère Valandré, madame la directrice, un mot sur Zahira? Zahira, elle a une telle musicalité qu'en fait, elle peut se passer de musique. Voilà. Oh, c'est joli. Merci. Et on découvre maintenant les notes de Sidoine. C'est parti. 18, 18, 19, 17. Et hop, 18 sur 20 de moyenne. Bravo. Et on va commencer, une fois encore, par Rachid. Je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte du défi que ça a été pour Sidoine, parce que c'est quelqu'un qui aime la pop, qui aime le rock, et d'un seul coup qui a été obligé de se plonger dans un univers beaucoup plus hip-hop. Sidoine, juste une seconde, fais-moi un tout petit coup de beatbox, mais deux secondes. Un petit coup de beatbox, s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu de beatbox? Mais deux secondes. Pour Rachid, pour les téléspectateurs. Allez, on l'encourage. Oh, I'm crawling dead at feet. You hit my heart and so I gave it into play to the beat. Yeah. On peut vraiment les applaudir. Je suis entre deux artistes ce soir. Je peux rien vous dire de mieux. Bravo encore à tous les deux. C'est un très très bel exercice. Merci beaucoup. Jackie, vous avez mis 17, c'est presque la moins bonne note. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien passé de spécial, j'ai trouvé même meilleur. Je suis même très surprise, il m'a surpris. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es déroutant. Et tu vois, tu viens de faire beaucoup mieux et je suis ravie. Elle vous aime bien, je crois, Jackie Lombard. Juliette. Là, je suis très, 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 très contente, Sidoine. J'entends rien du tout. On vous entend, rassurez-vous. D'accord. Allez-y. Bon, là, tu vois, Sidoine, pour moi, il y a une différence avec tout à l'heure. Effectivement, je te trouve vraiment meilleure là, maintenant. Parce que je pense que tu as lâché un peu plus une fois. Toi, il faut te foutre des coups de pied au cul, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est un gars qui travaille et c'est super. Et vous êtes tous les deux incroyables là, maintenant. Et Sidoine, tu as toutes tes chances de gagner aussi, comme Zahira. Et donc, voilà, je suis très heureuse. Merci, on sait que vous avez un bac plus 5 en coup de pied au cul, donc ça tombe bien, c'est la bonne nouvelle. Plus 6. Plus 6, pardon. Aspop. Alors pour moi, Sidoine, tu as été magique. Donc pour moi, c'est un net progression par rapport au début de l'émission. Donc waouh pour toi et bonne continuation. Et bien bravo encore aux deux, évidemment, demi-finalistes.